原本合流。Merci. Allez, bonne soirée à tous. On se retrouve comme une fois tous les 10-15 jours pour une maraude des taxis de l'espoir de Marseille. L'association. Enfin, ce soir, pas de pluie. La dernière maraude s'était passée sous la pluie. Alors, c'est quoi ? C'est quoi les taxis de l'espoir pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien voilà, c'est des taxis qui récupèrent via les réseaux sociaux, via une page, via Twitter, via de partout, via le bouche à oreille, via des vidéos, des dons de vêtements, de nourriture, de produits de première nécessité, qui regroupent essentiellement, ben, on va dire 50% de taxis, 50% de bénévoles d'autres corporations. Voilà, regardez les voitures pleines de nourriture, de vêtements à distribuer à nos amis les sans-abri, soupe. Donc vous voyez, nos amis les sans-abri, soupe, café. Donc partagez les enfants, n'hésitez pas à partager un maximum. Partagez. Donc là, on est devant le cours Pierre Puget à Marseille. Donc n'hésitez pas, les enfants, à partager. N'hésitez pas un maximum. Tous les petits bénévoles qui distribuent vêtements, nourriture, jouets pour les enfants. Car oui, il y a des enfants. Oui, il y a des enfants. On n'hésite pas à partager, les enfants, partager un maximum.
Encore bravo à tous les bénévoles qui sont là ce soir. Voilà. Les soirs de semaine. Bravo, bravo à tous. Bravo. N'hésitez pas, après avoir partagé, allez visiter notre page dans la barre de recherche. Vous tapez, on est à Marseille, Jojo. Vous n'hésitez pas à taper dans la barre de recherche les taxis de l'espoir Marseille. Vous verrez notre page, toutes nos actus. N'hésitez pas. Pourquoi toujours ces images verticales? Ben parce que je suis en vidéo en direct et si je fais horizontal, ben voilà ce que ça fait. Voilà. Voilà, tout simplement. Et comme on veut faire du direct, eh ben on peut filmer qu'en vertical et non pas en horizontal. Voilà. Je pense que je t'ai répondu, Vito Antonio Fontana. Marie, il se passe rien de particulier si ce n'est que tous les gens que tu vois en jaune sont des bénévoles et qui distribuent des habits pour les sans-abri récoltés via les réseaux sociaux. Des habits, nourriture. Et bonsoir, ça va? Ça va? Tout va bien? Ouais. Et la pitchoune, laisse-la, pocheur. Parce que voulez-vous dire merci pour le cartable? Maman, tu as eu le cartable, ma chérie? Oh là là, que tu es belle, ma chérie. Oh. Tu es contente? Ouais? Bon, mais tant mieux, tant mieux. Mouah. Vas-y, suis Nicolas, t'inquiète pas. Elle est trop belle. Voilà, la petite fille que vous venez de voir. Ouais, nickel, la petite fille que vous venez de voir. La dernière, la maraude d'avant, on avait fait un appel pour qu'elle ait un cartable et elle était contente parce qu'elle a reçu son cartable. Comment va? Ça va? Bien. Il est bon, merci. Le café? Ouais. Il n'y a pas de merci, mon frère, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de merci. On le fait avec plaisir. Et elle avait voulu un cartable, on avait lancé un appel et un bénévole avait... un donateur, pas un bénévole, un donateur. Une donatrice avait acheté le cartable et même, je crois, une autre personne aussi. Voilà. Donc, on va essayer de vous approcher un peu. Alors ce soir, on a Madame Gladys qui va nous faire un petit reportage. Là, vous avez distribution. Vous avez Monsieur Serge, distribue soupe, café, Sergio. Ah ouais, franchement, moi, écoute-moi, Nicolas. Oui. C'est le barman de la soirée. C'est le barman. C'est le barman. Franchement, je suis trop content que ça marche. Tu vois, mon histoire. Eh ben, nickel. Tant mieux, tant mieux. Oh, tu as prévu les boîtes. Oh, tu as organisé. Oh. Ah oui, j'ai investi 100 euros. Hein. Voilà, tu peux le dire. 100 euros. 100 euros. Hein. Tu vois mon salaire. Oh, link. Je n'ai pas plus riche. Sœur Emmanuelle, elle a dit qu'est-ce que ça fait pour les autres. Voilà. Quand on pense aux autres, on est plus riche. Pote. Oh. Et voilà. Petite, oh ling, boîte et tout. Excellent, tu as vu ça? Oh, en place, hein? Steph! Oh, tu as vu ce qu'il a acheté? Oh, les trucs à tiroir et tout. Tu as vu les trucs à tiroir et tout? Attends, tu crois quoi? De la bombe. Eh oui! T'es, serre-moi un café. Ah oui! Hein? Je crois que t'as là, tu t'as appelé, je crois.
Ah, pour ton président, mais tu m'as vraiment pris pour ta secrétaire. Allez, pour ton président. Oh, mais oh, et pour ton client. Et pour ton client. Oh. Allez. Ex. Attends, bouge pas, attends. Allez, un client. Allez, là, on continue. Oh, Steph. Sergio. Je suis là, moi. Mon Dieu, elle est là. Viens que je te fasse le bisou, elle est là. La recruteuse de la recruteuse des boulangeries, elle est là. Elle est là. Elle est en or aussi, elle est en or. Merci. Elle est en or. Sergio, quand tu as 5 minutes, tu me sers un petit café. Tu me dis, tu m'appelles. Allez, on continue le petit tour. Là, vous avez Madame Leïla, distribution de vêtements. Je regarde. J'ai compris. Pardon. Je te filme pas. Non, ils sont pas pour nous, ils viennent pour le palais de justice. Oh, Fredo ! J'ai apporté le chocolat, là, petit. T'es champion. Champion. Champion, mon Fredo. Champion, mon Fredo. Pardon. Allez, on partage les enfants, partagez un maximum, partagez. Allez, n'hésitez pas à partager, c'est simple, plus vous partagez, plus on a de visibilité, plus on a de dons. Vous voyez, voilà, plus on a de dons, plus on a de bénévoles. DJ, ah ben, tiens le café. Ah, il est pour moi celui-là, non? C'est moi qui le prépare. Oh, tu es champion of the world. T'as mis le sucre, t'as du sucre? Ouais, ouais. J'en ai mis un. Champion. Attends, je te prends une cuillère. Je pense qu'il va falloir tenir. Pour l'organisation. Oh, regardez ça, et les voilà. Petits tiroirs. Et... Ah, champion. Ah ouais. Champion. Ton frère et champion, le barman, VV. Ah oui, mais alors lui, on le met dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est avec la Croix-Rouge, même naturellement. On le lâche en paix, hein. Tu as la poubelle? Tu as prévu une poubelle? C'est ça? Bien sûr, bouge plus. Hop, c'est bon. Allez, on va vous continuer le petit tour. Je me servais le café pour pouvoir tenir. Ça va. Allez, comme je vous disais les enfants, plus vous partagez, et plus on aura de visibilité, et plus on pourra, ben, on aura de dons, de vêtements, de nourriture, de bénévoles qui viendront nous aider. Voilà, participer à tout ça, voilà. Je voudrais ce soir, je ne sais pas s'il est là, j'aimerais ce soir passer un petit coucou à mon ami Jean-Michel Durand qui est passé à l'émission d'Hanouna dans la semaine, dit Zizou. Beaucoup de gilets jaunes le connaissent sous le nom de Zizou chez Hanouna. Il n'a pas pu être là parce que ben, en ce moment il a des problèmes et demain il faut qu'il essaye. Il a des échéances importantes, il faut qu'il essaye de les régler. Et voilà, donc je voudrais lui passer un gros bisou, lui dire qu'on pense fort à lui. Monsieur Sabri, caméraman aussi ce soir. Il y a du matos là les enfants, il y a du matos. Allez, on partage encore. Partagez. Allez, partagez les enfants. Merci à tous pour le soutien, merci, c'est gentil. On a de la chance, le Mistral est tombé un peu, mais on sent que ça pique quand même, hein. On sent que ça picote. Un petit coucou à M. Sabri.
merci Papillon, c'est gentil d'avoir partagé le lien, c'est gentil, merci beaucoup. Attention. Ça va, Pen, t'as le sens ? Ouais. J'ai l'habitude. Ah, j'ai l'habitude. Oui, je sais. Je vais rôder à l'exercice. Ah, ouais, d'accord. D'accord. C'est mon frère jumeau, on me dit. Faudrait avoir des jumeaux. Enfin... Non, problème. Allez, on va continuer le petit tour. Monsieur Didier, qui est en pleine cabine d'essayage. Ah non, c'est fini l'essayage. Ah, c'est fini. Ah, tout est parti. Ah, tu as repris. Ah. Non, mais non, jamais de la vie. Ah, comme tu es. Bon, comme tu es. Non, j'aime trop faire chier, en fait. Allez, on va pas. Nico, tu peux m'expliquer ce que tu fais exactement? Quel est ton rôle? Oula, de filmer. De filmer, de motiver les troupes, les... Comment on dit? Comment... Ah ben, V, regarde. Demande-lui de me décrire. T'es V. Un homme avec un grand cœur. Moi, tu es un amour. Voilà. Un amour. Il est arrivé à faire un rassemblement dedans. Un amour. Et là, je suis en train de vivre une très belle expérience. Tu es un amour. Une amour. Je vois que c'est en direct. Ah. Ah oui, là, tu as des gens qui, voilà, qui partagent, qui soutiennent. Certains voient, veulent donner et exactement. Voilà. Exactement. Voilà mon chat, quoi de mieux, quoi bravo de mieux que... Ah, après, je suis pas seul, regarde. Évidemment, il y a toute une chaîne. Il y a tout le monde, hein, et voilà, ils sont tous là, hein, c'est eux, regardez, c'est eux. Moi, j'adore les appeler les petits lutins, c'est eux les petits lutins, regarde, regarde. Exactement. Regarde, moi, je suis quoi? Je suis un maillon. Le créateur, le fondateur. Ouais. Je ne suis pas l'instigateur, je suis le meneur. Allez, oui, on va dire le meneur. Le meneur, je crois. Très modeste. On va appeler le meneur, allez. Allez, partagez les enfants un maximum. Allez, il y a 2 ans en arrière, on a commencé. On était 2 voitures, 5 bénévoles pour notre première maraude. Il y a encore... on est en moyenne entre ce soir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voitures, on a été jusqu'à 13, 17, 16 voitures. Voilà, les soirs de semaine, tous ces gens et ces bénévoles, le monsieur et les taxis, il vient le soir avec son véhicule personnel. Voilà ma voiture, monsieur Amine taxi, là-bas madame Stéphanie. Marlène coiffeuse, Leïla là-bas qui vient de Istres, Laure qui a un pressing sur Aubagne, Serge, voilà, c'est Clément qui a une société de climatisation. Et ouais, il y a de tout les enfants, il y a de tout. Partagez un max, il faut un maximum de connecter. Allez, partagez. Voilà. Ben, c'est gentil, mais c'est même pas nous qu'on est super. Vous savez qui c'est? C'est les sans-abri. Vous voyez ces gens-là qui vivent dehors. Ou la plupart qui ont des appartements, des petits appartements, et qui n'ont plus rien pour s'habiller, manger. Ils ont juste pour se payer, certains qui ont de la chance, ont juste pour se payer un loyer. D'autres sont dans la rue. Ces gens-là là-bas, devant la fontaine, ben, ils sont dans la rue. Voilà, vous voyez, ils ont les cabas, ils ont tout. D'autres ont juste de quoi vivre. Et ils viennent rencontrer les associations qui leur donnent à manger. Parce qu'à un moment donné, ils ont pas pour manger à la fin du mois, pour s'habiller, pour se laver. Voilà, on distribue des savons, des gels douches, voilà, tout ce qu'on peut distribuer qui peut leur rendre service. Quoi.
On est à Marseille. On est à Marseille. Narcisse. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était un ami de Soso. Un gros bisou à Soso, le taxi de Marseille. On est à Marseille devant le palais de justice. Sors. Allez les enfants, on partage, il me faut un maximum de connectés. Un maximum de connectés les enfants. Allez, partagez. Oula, il est un peu gros lui. Oula, il va passer lui. Alors, soit il m'arrache la voiture. Merci Martine, c'est gentil, c'est à Marseille les enfants, Jean-Luc, on est à Marseille devant le palais de justice. Allez, on va un peu répéter pour ceux qui arrivent, l'association Les Taxis de l'Espoir de Marseille qui distribue vêtements, produits de première nécessité, nourriture. Je vais aller vous refaire un petit tour là-bas où il y a le barman Serge qui tient la buvette. Allez, on va vous montrer là-bas. Voilà, là vous avez la buvette. La buvette chez Sergio. Allez les enfants, on va visiter la page. Les taxis de l'Espoir Marseille. Regardez, je vous zoome le dossard. Les taxis de l'Espoir Marseille. Allez, il me faut un maximum de connectés là, un maximum. Tu veux laisser un mot? Oui, viens. Regarde, mets-toi devant la voiture, vas-y. Oula, viens, sa gueule. Sa gueule, mets-toi là, il crie comme des fous. Allez, vas-y, dis-moi ce que tu veux dire. Alors attends, juste on va dire, tu es la maman de la petite... Redonne-moi le nom de ta fille. Maëva. C'est la maman de la petite Maëva, j'ai l'autorisation de la filmer, il n'y a pas de souci. La petite fille, comme vous a dit tout à l'heure, qu'on y a offert le cartable, et donc tu voulais laisser un petit mot, je t'écoute. Voilà, je voulais remercier beaucoup les taxis de l'espoir pour me donner un coup de main à moi et ma fille et mon fils qui est à la maison. Franchement, vous êtes dans mon cœur. C'est comme une famille parce que j'ai plus de mère, j'ai plus de père. Je suis toute seule. Voilà. Et c'est dur. Allez, t'inquiète pas, te fais pas de soucis, on va faire le maximum, on me fait le maximum. Voilà, merci. C'est des moments comme ça qui sont énormes. Voilà, c'est des moments comme ça qui donnent une force incroyable. C'est vrai, merci. Viens la soupe, viens. C'est pas de la soupe, c'est le chocolat. C'est le chocolat, c'est le chocolat. Madame fait des interviews. La petite, elle m'a dit une soupe. Elle est là, ma pitchounette. Fais le pouce.
Voilà, c'est des moments comme ça qui sont énormes, 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 énormes. Voilà, c'est, on encourage tout le monde. Voilà, j'en ai pas les mots, j'en perds les mots, je sais plus quoi vous dire. Voilà, je m'y attendais pas, c'était pas prévu, j'avais rien demandé. Et voilà, c'est... Ça te remue, ça te chamboule, ça te fou là. J'ai deux enfants à la maison et je m'excuse, hein, je cherche un peu les mots. Ça te remue, voilà, ça te remue. Allez, partagez un maximum, s'il vous plaît. J'ai plus quoi vous dire. Voilà. C'est des moments comme ça, des moments de vie, des moments terribles. Et chaque maraude. Voilà. Donc là, vous avez les gens. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour la maman. Ah ouais? Mais comment elle va le ramener? C'est moi qui lui dépose. Ah, tu y déposes tout à l'heure? Tout à l'heure. J'ai un amour. J'ai dit, un jour, tu vas me dire parce que tu nous as rendu. Oui. Pourquoi tu rigoles? On les a pas. Ils sont fantastiques, ces bénévoles. Ils sont fantastiques. Voilà, c'est... Ça remue. Je suis désolé, hein. J'ai eu un peu la chic coupée parce que... Parce qu'elle m'a... Elle m'a retourné. Voilà. Elle m'a retourné. Ah, je suis pas seul, Jade. Regarde, regarde-les tous. Regarde. Regarde ces bénévoles. Regarde-les. Regarde-les, ces bénévoles. Regarde. Regarde. Voilà. C'est... Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui va aller à l'eau. Non. Oui, non, oui, 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 oui. Allô? Allô? Je filme, hein, vas-y. Quelle heure il est, mon Fredo? Tiens l'heure, s'il te plaît. Je vois pas que je vois. Qu'on n'a pas. Non, c'est pas possible, il n'est pas à l'heure. Ah, 10h. 10h. Ah, c'est... Ah. Hum. Ah, parce que je suis parti. Comme je n'aime pas me vanter devant tout le monde. Attention, je filme. Ah, putain. Tiens, voilà. Je peux pas te dire mieux, tiens, regarde. Vas-y, tire vite, tire vite, tire, 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 tire. Non, elle est pas là. Et voilà. Merci. T'en prie. C'est ça que tu as acheté? Je vais me prendre la même. Je l'ai déjà. Je sais pas quand tu m'as vu sur Facebook. Je sais le film, hein. Oh, tu vas pas montrer. C'est... Mais c'est toi dedans? Eh, c'est rare, tu vois. Regarde. Va. Ils vont heureux, ils vont cacher. Je sais. C'est gentil, merci, merci Jade, c'est gentil. Merci Saba. Oh, c'est vrai, ma Saba, elle est pas là. Gros bisous, ma Saba. Allez, partagez, les amis, on va décoller. Steph, 5 minutes. 5 minutes et on décolle. 5 minutes et on décolle. Ouais. Attends, hein? tu filmes?
Ouais. Parce qu'il y a Juan qui me demandait Marie-Pierre, tu sais, la copine de Cindy. Ouais. Oui. Je vais lui donner un micro. Oui, 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 Juan, Juan, je suis au courant. Tu as le numéro de Marie. Elle devait te donner le micro, Honda. Ouais, ben, elle t'a appelé. Non, elle m'a pas appelé. Elle m'a dit que je serais là, mais c'est tout. Ben, elle est pas là. Alors, sûrement la prochaine. Sûrement la prochaine maraude, alors. Ouais, j'ai son numéro. Ouais, ben, sûrement la prochaine. Bon, appelle pas maintenant, monsieur. Non, hein. Mais je l'appelle pas, mais ben, voilà. Appelle-la demain. Voilà. Tu dis, je t'ai pas vu hier soir, donc. Ben, sûrement. Elle m'a dit que... si je viens, parce qu'elle n'était pas sûre après. Elle me dit, si je viens, je t'apporterai le micro. Bon, ben, c'est sûrement la prochaine maraude elle qu'elle viendra. Elle a regardé pour les étagères en même temps, elle m'a dit. Ben, c'est sûrement puisque j'ai Cindy qui m'a téléphoné, qui m'en a parlé. J'étais au courant, t'inquiète. Les enfants, dans 5 minutes, on y va. Ah, ben oui. Parce qu'on a aussi la coiffeuse. Tiens, Gladys, on a aussi la coiffeuse. Ah ben, elle a fini de couper. Marlène, la coiffeuse, Ariella. Marlène, elle fait tout, elle. Hein. Ça y est, ouais. Marlène, moi, c'est pas la peine. Hein. Non, mais ça y est, regarde, ça y est, j'y suis passé. Hein. Moi, ça y est. Hein. On y va dans les 5 minutes. Hein. Allez les enfants, on va couper. On va couper, on va se retrouver. On va se retrouver sur la Canebière, le vieux port ou la Canebière à Marseille. Donc on revient d'ici ben, un petit quart d'heure. Hein, à de suite. Hein. Merci beaucoup et on compte encore sur vos partages. Et merci à tous ceux qui ont partagé et qui ont liké et commenté. Merci, à tout à l'heure.